Bon, me revoilà au FMA Days 2024, mais cette fois-ci au guidon d'une S1000RR bien préparée pour circuit. Tout ce qui est exigé sur route a été retiré, pas de support de plaque, pas de feu stop, pas de clignot, pas de rétro. Tous ces genres de choses, on les a laissés au stand. On a mis la moto en mode Race Pro 2. Et voilà comment ça va se passer. Je vais laisser deux tours de 2024 tourner comme ça sans commentaire. Petit débriefing à chaud. Et ensuite, je mettrai côte à côte mon meilleur tour de 2021 et mon meilleur tour de 2024. Je dis pas qu'il y a eu d'énormes progrès non plus. Je m'attends pas à une progression phénoménale, mais je suis sûr qu'il y en a une. Même si je reste toujours un peu trop en 5e, 6e, en mode escargot des villes. Donc voilà, il existe bien une marge de progression. Je suis sûr qu'un jour je passerai en dessous des 2 minutes. Pour l'instant, c'est comme ça. Je suis pas un pistard et je m'en cache pas. Mais je trouvais ça sympa de pouvoir comparer les deux, étant donné que c'est la même machine et le même circuit et même le même pilote. On y va.
content. J'ai bien progressé. Hein. Wow. Trop cool. La machine était en réglage Race Pro 2 et elle demande qu'à se lever, c'est chaud à maîtriser. Petit débrief à chaud de la S1000RR qui était donc réglée en mode Race Pro 2. C'était sauvage à l'accélération, il fallait bien tenir le guidon mais sans être trop lourd non plus, sans être trop crispé. C'était sauvage au claquement des rapports, même avec le shifter et sa demande qu'à se lever. Il n'y a vraiment aucune aide hein, de quelque sorte que ce soit. Et vraiment là c'est chevauché, un cheval de rodéo et incroyable. Mais pareil pour un circuit comme ça, il faut se mettre en deuxième ou troisième en sortie de virage et puis en fait cravacher, pousser loin parce que c'est là qu'elle se révèle. Et je pense que j'avais jamais roulé aussi vite sur le Mans et j'étais jamais rentré aussi vite dans la courbe après la ligne de départ ou d'arrivée suivant comment on se situe. Mais vraiment génial et tout ça c'est grâce à FMA, il n'y a rien à dire, c'est excellent, tout le monde est de bonne humeur, les groupes sont de bon niveau, c'est assez homogène, pas de danger, pas de gens qui arrivent très vite non plus. Et là la possibilité d'avoir pu rouler un peu avec d'autres personnes et c'est pas mal du tout, j'ai bien aimé. Encore une fois, sans danger, c'est encore mieux, mais vraiment très très bien cette année. Je suis super content de moi et le ciel a l'air de tenir pour l'instant. C'est couvert, il y a un petit peu de soleil, mais pas menaçant, c'est pas gris foncé. Donc cet après-midi, encore trois sessions, peut-être avec d'autres machines un petit peu plus tranquilles que je ne filmerai pas, mais en tout cas, jusqu'à présent, sans faute, je suis trop content.